Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nichemel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le FAQ. Ça fait un bon moment que je dis ouais, je vais le faire, je vais le faire. Bon, on est parti. Première question. Alors, comptes-tu acheter de nouvelles consoles? J'en sais rien pour le moment. Je viens d'acheter un PC à près de 1000 euros, donc c'est bon pour le moment. Je pourrais avoir ma revanche sur Call of Duty Ghost. Pourquoi pas? De toute façon, je te mettrai sur moi, t'as pas hâté. Continue, mec, je te suis depuis tes débuts et je kiffe tes vidéos. Ok, merci, c'est sympa de ta part. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Non, j'en ai 24 en fait, je viens de les avoir il n'y a pas longtemps, en octobre. Est-ce que tu as une petite amie? Oui, j'ai une petite amie, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble, donc ça fait un bon bout de temps. Est-ce que je travaille? Non, je ne travaille plus. J'ai commencé ma chaîne au moment où j'ai arrêté de travailler. Continue comme ça, tu pourras aller loin. Ben, merci. J'espère que tu continueras à me suivre encore longtemps. À quel âge as-tu commencé les vidéos? Il y a presque un an, donc je crois que c'était il y a 10 ou 11 mois. Donc il n'y a pas énormément longtemps. Dans quel but de me faire des tonnes hein? Non. Non, je déconne. C'est vraiment à la base, c'était pour le fun. J'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. J'ai fait ça avec un ami pour commencer, Nicolas. Certains l'ont connu. Mais les vidéos, maintenant, je les ai bloquées puisque c'est des vieilles vidéos pour moi. Et bon, voilà, c'est des vidéos de moins bonne qualité que ce que je fais pour le moment. Donc, elles n'ont plus à être sur ma chaîne. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu habites où en fait? Dans quel département? Waouh. En fait, j'habite pas en France, j'habite en Belgique, donc près de Liège, plus précisément à Trou. Qu'envisages-tu un petit retour à Frépont? Frépont, en fait, c'est là où j'ai toujours vécu, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je sais pas. Alors, quel est ton avenir professionnel? Là, je sais pas du tout. On verra, je vis un peu au jour le jour pour le moment, donc ça reste à voir. Comment comptes-tu gérer YouTube? Comment je compte le gérer? Je le gérerai au mieux possible, hein, je vais dire ça comme ça, mais je pense pas arrêter YouTube même si je recommence à travailler, parce que je cherche quand même du travail et si je viendrais à trouver maintenant, je continuerai quand même YouTube. Peut-être moins de vidéos par semaine, mais je continuerai quand même. Donc voilà, tu es un abonné quand même, je le sais, assez fidèle. Donc merci à toi et j'espère que toi aussi tu iras loin parce que je sais que tu fais des vidéos. Comptes-tu acheter la PS4 et nous faire des vidéos dessus? Si oui, quand envisages-tu de l'acheter? GG pour tes 1500 abonnés. Merci déjà, tout d'abord. Comme mon PC, mon nouveau PC fait pousser tous les jeux. Notamment GTA 5, il le fera pousser quand il sortira. J'ai testé déjà Titanfall, Far Cry 4, je viens de l'avoir. Et j'ai testé Battlefield 4 et je l'ai fait tourner à l'aise. Donc il n'y a pas vraiment besoin que j'achète la PS4 maintenant et que j'ai investi encore près de 1000 euros. Parce que avec les jeux, manettes, accessoires et tout ça, ça commence à revenir cher. Alors, quel est l'avenir sur ta chaîne de nouveaux jeux, live, fun, activités, info? Voilà, déjà des lives, ça c'est sûr et certain. Maintenant que mon PC est beaucoup plus performant, je vais pouvoir faire des lives. Beaucoup des jeux plus récents, ça c'est clair. Toujours le top 3 activités, le top 3, ah, je suis toujours dans mon top 3, top 5 activités. De GTA, des rassemblements sur GTA, toujours sur BO2, à mon avis, j'aime encore bien jouer, ça me fait pas trop de mal de retourner sur les anciens COD. Sinon, pour le reste, ça reste à suivre. Comme j'ai dit, le planning vidéo il est fait, mais j'ai encore d'autres choses à découvrir. Je peux faire d'autres choses entre temps et on verra bien à faire à suivre. Est-ce que tu es une grosse merguez? Oui, regarde en fait.
Vas-tu faire des retours aux sources sur BO2 et les anciens COD en fait? Oui, de temps en temps, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne joue plus vraiment aux anciens COD. Je suis plus sur les nouveautés. Donc, ici pour le moment, c'est Advanced Warfare. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Je suis vraiment dans les nouveautés. Et j'ai joué à BO2 Ghost à leur sortie et j'ai eu les DLC à leur sortie, donc je suis vraiment lassé entre guillemets de ces jeux-là. Et il y a vraiment quand on fait vraiment des rassemblements avec vous que là ça m'intéresse de venir et que là le jeu est même bien marrant quoi. Qui est ton youtubeur préféré? Bah, je n'ai pas vraiment de youtubeur préféré en fait, je regarde un peu tout le monde. Celui qui fait une bonne vidéo, bah, je regarderai sa vidéo. Sinon, s'il fait de la merde, je regarderai pas sa vidéo tout simplement. Cyprien peut faire de la merde, des vidéos qui sont pas très marrantes, alors qu'un petit youtubeur à 500 abonnés peut faire une vidéo bien marrante. Donc voilà. Pensais-tu en arriver là un jour? Ben non, comme j'avais dit au départ, je faisais ça avec un ami, de petites vidéos comme ça pour m'amuser. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. Hein. Donc c'est monté, hein, 50 abonnés, 100 abonnés, 150, 200. Puis là, j'ai commencé vraiment à me dire, ouais, il faudrait peut-être que je continue en fait. Et voilà, j'ai continué. Voilà où j'en suis maintenant. Puis à Béthou, ben ça, j'ai déjà dit, à Trou, donc en Belgique, près de Liège. C'est quoi ton top 3 des meilleurs COD à part Advanced Warfare? Ben mon top 3, j'ai commencé de toute façon par MW3, ouais MW3, et puis j'ai fait Black Ops 1, Black Ops 2 et puis Ghost. Donc moi ce que je préfère franchement c'est à la limite en troisième position MW3, Ghost en deuxième position et BO2 en première, hein, parce que BO2 a vraiment été épique comme jeu, il restera dans les mémoires de tous, je crois. Comptes-tu faire d'autres vidéos FAQ ou d'autres vidéos What the Fuck ou encore mieux horreur, s'il te plaît, MP dès que possible? Donc je ne t'MP pas. Pourquoi? Parce que je réponds maintenant. Tu n'étais pas en retard, parce que tu croyais être en retard, mais non, comme ma caméra est tombée en panne, voilà, le FAQ c'est maintenant. Donc le FAQ, le prochain FAQ sera probablement à 2000 ou 2500 abonnés, si pas 3000, puisque ici je n'ai pas eu énormément de questions et je suis même un peu déçu. Enfin c'est bon, c'est pas grave, je réponds quand même à tout le monde généralement, même en dehors de YouTube, sur Facebook, et je réponds assez rapidement et je me doutais un peu que j'allais pas avoir énormément de questions. Alors des vidéos What the Fuck, ben ce sera surtout les top 5 What the Fuck et des rassemblements avec des abonnés, donc ça peut être des finis moments, un peu tout. Des vidéos d'horreur, ça ouais, ça je veux en faire, c'est sûr et certain. Dès que y a de nouveaux jeux d'horreur à partir de maintenant qui vont sortir, à mon avis je vais les faire dès que possible. Ben voilà, c'est déjà la fin de ces questions. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent la première fois la FAQ. Likez mes vidéos, ça me ferait super plaisir parce que les likes, franchement, c'est vraiment important. Laissez des petits commentaires, j'y répondrai. Vous savez bien ceux qui sont abonnés. Et moi, je vous laisse sur ces images, les gars. Et à la prochaine pour un prochain FAQ. Ciao, peace! Seek it out and